que l'école de boxe de l'Union du Loup, Simon IBM Poulet. Grand gagnant du combat, comment on se sent? Ça va me prendre peut-être une journée à réatterrir, mais tout qu'un marathon, tout qu'un marathon. Là, on travaille vraiment pour reprendre les énergies puis reprendre le sens un peu parce qu'on était focus. Puis on a eu beaucoup de plaisir, mais beaucoup de fierté d'avoir fini à la ligne d'arrivée avec une victoire puis de revenir en force dans un sport que j'aime beaucoup. J'imagine que ça demandait beaucoup de préparation là, pour participer à ce gala-là. Les entraînements, ça ressemblait à quoi? Exactement. Un combat, il se gagne dans l'entraînement. C'est gagné à soir dans le ring parce que j'étais préparé avec une école de boxe, avec un coach qui s'appelle Mathieu Lavoisier, mais tous les boxeurs qui s'entraident à s'élever à un autre niveau. On travaille ensemble. T'sais, Jean-Philippe, chapeau, respect aujourd'hui, parce que c'est un partenaire d'entraînement quand même. Dans les dernières semaines, on s'évitait quand même, mais on travaille tout le monde ensemble pour s'améliorer. Et puis, moi, ça partit l'année passée au mois de mars avec un plan de revenir dans le ring au poids, faire le poids avec un entraînement, améliorer ma technique qui était vieille depuis 2008. Alors, un coach, massothérapeute, un plan d'entraînement, un plan de nutrition. Fait qu'il y a une grosse équipe de tout le monde. C'est des entraînements le matin, la course le matin. Moi, je m'entraînais 4 fois le matin, cardio fit avec coach Myriam. Le soir, lundi, mercredi, entraînement avec l'école de compétition de boxe. On en fait à maison, on en fait tout le temps, un petit peu plus pour arriver prêt. Donc, c'est un entraînement qui commence 3-4 mois avant, quand tu as en tête d'arriver prêt à un combat. Donc, oui, c'est ça, c'est un marathon. Puis qu'est-ce qui t'a motivé là, à participer au Gala Kamco? J'ai une liste d'à peu près 20 raisons. Je mettais ça dans mon cahier. Les raisons pourquoi je revenais dans le ring, pourquoi je me donnais un défi. C'est sûr qu'après la pandémie, on était inactifs. Ça a été difficile de rester inactif, de ne pas socialiser. J'avais besoin de me sentir en vie puis de vivre le moment présent. J'arrive à 40. J'ai une petite fille de 6 ans, je veux lui montrer c'est quoi la persévérance, ça commence l'école, je travaille dans une école, je veux montrer aux jeunes c'est quoi la persévérance, avoir un objectif dans la vie puis y aller jusqu'au bout pour ma conjointe, mais pour moi aussi. Merci beaucoup, félicitations. Merci beaucoup. Simon. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci.